Ok, on a la game qui démarre. On va rentrer dans la game. Alors du coup, c'est Pablo Pinter contre Allen Lowe de la team Blue Peach et de la team Sunflower Samurai. Donc deux joueurs très connus et très bons. Et c'est encore un grand match qui nous attend. Donc Pablo Pinter sur Reiner. On avait vu qu'il avait fait ce choix assez étonnant de partir sur Reiner plutôt que sur Kayo, qui a l'air quand même d'être beaucoup plus... beaucoup plus méta, j'ai envie de dire, beaucoup plus stable qu'un Reinhardt, même si je sais que Siméon, ici présent, nous dirait le contraire. Et en face, Allen Lowe, un excellent joueur hongkongais, qui est, lui, pour le coup, sur Kayo. Et du coup, on voit que... que le Reinhardt n'a pas apparemment une liste défensive comme, comme Simon a l'habitude de nous ramener en armory, quoi. Bon, le tir avec les swing T0 là permet de gratter déjà ces deux petits PV qui sont très sympas. Ça... c'est confortable pour commencer. Alors que va nous jouer Pablo? Ok, il avait une main full rouge donc. CNC à 6 qui sera défendu. Sera défendu. Il a une défense réaction à son national. Il a un Fate for Sin. Est-ce que tu mettrais plutôt du coup Kayo devant dans le match-up ou plutôt Reinhardt? C'est une excellente question. Mmh. Ils ont l'air d'avoir à peu près les mêmes armes. Je pense que Reinhardt peut être dangereux en fin de game en intimidant toute ta main. Mais c'est vrai que Kayo peut complètement go wide, donc difficile à dire. Je pense que le match va nous en dire un peu plus sur le match-up. Ouais. C'est la value que la capacité de Kayo qui peut-être moi me ferait dire qu'il serait un petit peu devant, mais on va voir. Oh. Pablo Pinter qui va déjà lâcher deux équipements. Ouais. Pour défendre son arsenal. On a vu qu'il avait un arsenal ou pas, peut-être il a un Fate for Sin. Je comprends qu'il a envie de le défendre. Et ce might sur un CNC, c'est vraiment un enfer. Parce que du coup... Sandpacking qui va révéler le Blood Rush Below. C'est donc ça. Là, il sait... il a l'info. Il a l'info. C'est une très bonne prise d'info pour Pablo. En plus, il vient à 7, donc pareil, si on veut le bloquer efficacement, il va falloir peut-être passer par les équipements. Hein. Ce qui serait également une bonne prise pour Pablo. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça a l'air d'être ça. Ouais, pas sûr, ils hésitent. Il hésite. Je pense que oui. Donc voilà, il lâche clairement ses deux cartes de main, plus son équipement, donc le petit might qui arrive en plus pour... il sait qu'il y a un CNC en plus au-dessus. Ok, donc là c'est un peu, ça va être un peu la merde pour Pablo puisqu'il a il a encore une défense réaction en main plus une défense réaction en arsenal. Donc clairement, ce CNC peut le mettre, va le mettre dans le dur quoi. Il a encore un CNC en main. Et en plus il en a. Ouais. Du coup, Allen avait un troisième. C'est son troisième CNC là ça... Parce que, ok, il en a révélé un du dessus du deck, mais. Du coup, il va en repiocher un là. Il va en repiocher un. Ouais. C'est très compliqué là pour. Ouais, c'est le deuxième, c'est Pablo qu'on a déjà joué un. Et là, Pablo aussi arrive avec un CNC à 7. Ça s'enchaîne. On sait qu'il a son Blood Rush Below en arsenal, donc... Ça attaque de très fort l'arsenal des deux côtés, là. C'est vraiment... l'arsenal, il n'est pas tranquille. Pas du tout tranquille. Hein. Et donc derrière, Allen va encore proposer un CNC à 7. Ouais. Après, je pense qu'on va pouvoir commencer à jouer. Ouais, c'est ça.
Oui, donc Allen, c'est bien son troisième CNC, je dis pas de bêtises. Là, c'est son troisième CNC. Ouais, voilà, c'est ça, après, c'est bien son troisième. Le deuxième après, au tour, il sera tranquille, Pablo. Au tour précédent, ouais. Oh, il a un reckless swing en main, donc là, il est bien content parce que son prochain tour, il pourra juste faire un coup de claw. Il a tout pioché toutes ses défenses réactions au moment où. Ouais. Au moment des CNC. Donc là, il doit être vraiment, vraiment dégoûté. Après, les PV. Est-ce qu'il va tenter les subskins? Ouais, il va tenter les subskins pour tenter la double claw. C'est ce que je me demandais, ouais. Part sur un 3. Ok. Bon, bah, juste claw, hein. Ouais. Au moins, il perd rien. Et... C'est ça. Il garde 2 DR pour le tour Blood Rush et totalement. Totalement. C'est vrai que là, il va être bien. Il va pouvoir totalement l'encaisser. Ok. Donc là, on sait qu'il a une DR en arsenal, une DR en main. On discarde le pulping côté Allen. Peut-être qu'il aurait voulu la garder, ce pulping dans cette main. Ouais, je pense. Pour Blood Rush. On va voir ce qu'il peut proposer sur ce tour. Est-ce que c'est le tour où il va lâcher son flashbag pour l'empêcher de faire n'importe quoi Je pense que j'ai pas l'impression, parce que là, vraiment, il a tellement de cartes en main que je sais pas si flashbag aura autant de valeur qu'espérer. On va voir ce qu'il va décider. Mais je pense que même si tu supprimes une carte de la main de Allen, il va quand même être libre libre pendant son tour de faire quasi ce qu'il veut. On va voir. Alors, donc, bon, il lâche déjà sa première DR hein, pour essayer d'encaisser. Et donc, c'est un runner-runner à 8. Runner-runner. Qui n'a pas go again, si je dis pas de bêtises. Qui n'a pas go again, ouais. Ouais. Ah, je pense qu'Allen doit être un peu déçu de son tour Blood Rush là. Il n'a pas eu de quoi. Ça, c'est le discard du pulping qui le met un peu dans la sauce quoi. Il va arsenal Barfing, ouais. Oui, certainement. Et là, comme ça, Pablo il temporise tranquillement. Il va arsenal son Sing Below et il va juste proposer une petite claw et essayer de gratter tranquillement. Donc là, il a l'air vraiment de vouloir le jouer à la fatigue, tranquillement. Ouais, et tu vois, côté Pablo, c'est bien ce qu'on a dit, c'est qu'il n'a pas lâché le flashbag sur ce tour-là. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire aussi. Ouais, sur le runner-runner, il s'est bien rendu compte qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc ouais. Clairement, il fallait le garder... pour un autre tour de Blood Rush où il allait être un peu plus clunky quoi. Ouais. Clairement. Donc ouais. Allen qui sacrifie les PV pour essayer de garder la tempo. Logique, il a un agility, il a un might, il a envie d'avoir toute sa main pour et on voit que Pablo Pintor a pioché son Blood Rush bio. Très intéressant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il full face et il veut reprendre la tempo et agresser? On voit aussi qu'il a un sandpacking en main, si je dis pas de bêtises. Ouais, sandpacking, Blood Rush, Barging, Beatdown, et je crois que c'est Berfeng, sa dernière carte. Je crois. Ah, je suis pas sûr, on voit mal. Peut-être un Savage Fist aussi. Peut-être un Savage Fist, ouais. J'ai du mal à voir. Ok, il décide de jouer son Sync et de Sync. Oh, un Warmonger dans la main, ok. Intéressant. Et donc, qu'est-ce que fait Allen? Il va leur proposer certainement une attaque à 7. Enfin, 6, pardon. Ouais. Son pack hunt. Très certainement. Et j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de Kayo maintenant qui jouaient ce Skullcrack.
Alors qu'il n'était pas trop présent jusqu'à maintenant dans les listes, sur ce tournoi, j'ai remarqué qu'il était un peu là. Mais je crois que c'est Allen qui le joue sur la journée 1 aussi. Je l'avais vu pitcher ce Skullcrack. Après, vu que t'as tellement de discards, ça peut te faire de la value, hein. On sait jamais. Ouais. Ça peut te faire ton petit point de pitch qui va t'éviter de consommer ta tunique. Tout à fait. Ça peut. Ok, donc Pablo, il joue slow, il sait que son air viendra. Un joueur patient, on le connaît, hein. C'est un joueur de Ah oui. Bravo, un joueur de Starvo, pas de On a. Starvo, du papy du Hold'em. Ouais. On a raté que c'était un casse-bonne qui avait été défaussé sur son attaque. Ah, Dur. il doit être très déçu. Ouais. Sandbacking. Ok, donc le Blood Rush Below va être révélé. Ça révèle à chaque fois Ouais, ça. les cartes, les Blood Rush quoi. Les Sandbanking, c'est des scouts à Blood Rush. Je pense que il est un peu dégoûté, Pablo, parce Ouais. que il doit lâcher trois cartes de sa main pour juste conserver Ouais. ce Blood Rush. Il en a un autre en main, donc il pourrait accepter de le sacrifier, mais On avait qu'est-ce vu, qu'il veut faire? si j'ai pas de bêtises, que Kallen avait dû avait proposé de mettre un flashback pour def un arsenal. On va voir ce qu'il va faire Pablo lors de la game round journée 1 contre Michael Hamilton. On va voir. Parce que ouais, effectivement, là, ce sandpacking à 7, il est compliqué à bloquer. Hein. On a plus de ressources sur les équipements Temper. Du coup, il faut passer par flashbag. La main, ça demanderait 3 cartes pour le défendre. Quand t'as un Blood Rush dans ton arsenal, t'as pas envie, hein, bien sûr. Ouais, clairement, c'est très compliqué là. On va voir ce qu'il va décider. Parce Situation un peu que. compliquée, ouais. Ouais, la situation est compliquée pour lui là. Le sandpacking, il est arrivé là. Il est bien là, à 7 en plus. C'est vraiment Ouais. ce Ah petit ouais. point qui le met vraiment au fond, quoi. Il a décidé de mettre 3 cartes, hein, Trois ouais. cartes, un coup de claw au tour prochain C'est et. ça. Remettre un Blood Rush au fond du deck. Ouais. Est-ce que Allen se fait avoir en pensant que c'est le Blood Rush qui retourne en dessous et qu'il change son arsenal? Ouais, je Je pense pense pas. qu'il doit ouais je pense pas qu'il se fasse avoir sur ce play là, mais bon, le doute est toujours possible, hein. Le Blood Rush s'est éclaté, nous dit ici Liner dans le chat, et je suis assez d'accord, hein, là-dessus. Ok, ça bloque. Je sens que Oh, ok. ce match va être long. Ok, juste Allen qui a Bisrosing. un tour assez mou. C'est certainement le tour qu'attendait Pablo pour pouvoir essayer de Yes. reprendre un peu la tempo. Ouais. Donc voilà, juste un signe, très bien. Il fait sa value, il a sa tunique qui est prête. Ouais. Donc là, il va pouvoir commencer à revenir à l'agression. C'est ça. Là, le problème, c'est que voilà, côté Allen, on va très certainement se faire intimider des cartes, et là, les points risquent d'être beaucoup plus faciles à passer du côté de Pablo que pour Allen, quoi. On va voir. Ouais, on va voir. Ça va être intéressant parce que là, clairement, des dégâts vont passer. Il va avoir une main qui va pas apprécier pour Qu'est-ce qu'il a draw là? un Warmonger. Oh, je crois que ses draws sont pas très belles.
je crois que ses draws sont pas très belles, mais il a la double claw, donc il peut faire claw à 5, claw à 5. Ouais. Mais bon, on aimerait bien avoir une option d'intimidation là. Je sais pas s'il en a une dans la main, parce que oui, comme tu dis, je crois qu'il a un Warmonger. Je crois qu'il a un swing big dans la main, mais je suis pas sûr de ce que, j'ai vu. Il a ce Warmonger, ouais. Ok. Et Allen qui décide de flashbag. Là, il sait que c'est dangereux pour lui, mais... Je crois qu'il perd sa seule attaque qu'il avait en main, non ? J'ai pas eu le temps de voir, j'avoue. Il a toujours son Warmonger. Il a toujours son Warmonger, donc voilà. Là, il est arrivé pour la deuxième claw. Instant pitch et peut-être une attaque derrière. Ouh, il a un Casbone sans main. Un Casbone sans main qui va décider de sacrifier. Ok. Donc ça leak un peu. Et voilà, il lui restait une attaque. Ah, c'était un swing big, donc... C'était un swing big à 10. Okay. Très bien. Ok, donc un tour à 20 dégâts. Il lui reste un arsenal. Je pense que Pablo est très content. C'est là où flashback, quand l'adversaire a une main de 3 ou 4 cartes, bah, il a au final pas beaucoup d'impact, quoi. Ça n'a pas du tout empêché. Ça aurait pu, bien sûr, mais ça n'a pas du tout empêché Pablo de faire le tour qu'il a voulu, quoi. Clairement. Faudra voir ce que c'est la dernière, mais. Et là, il prend 7, et là, quand même, Pablo commence un peu à s'envoler. Ouais. Il creuse l'écart. Il n'a plus qu'à défendre, attendre patiemment un deuxième tour, et ça va être très... C'est pourtant, pour l'instant, bien parti. Allen n'a que 2 cartes en main, donc il ne pourra pas proposer quelque chose d'assez menaçant qu'un Berfeng... Ah, et puis, comme on nous le dit dans le chat, il y en a un qui a 2 bras, hein, et pas l'autre. Et ouais, sur les tours de Blood Rush, il s'en sert des 2 bras. Et là, un bloc, enfin une attaque à 9, c'est une excellente réponse, hein, mais du coup, il perd quand même son agility qui était un moyen de continuer à mettre la pression dans le match. Il n'a pas utilisé sa défense réaction, Pablo. Il me semble qu'il a un Fate for Sin en main, mais... J'ai pas vu. Là, il a pris 3 et 3, 6, donc il doit être à 26. Voilà, c'est ça. Petit cup dinner qu'on a vu. Ouais. Regagner un peu des points de vie. Bon, ça fait... C'est pas un outil de reprise de tempo, mais... Essaye de remélanger des cartes. Ouais, comme ça, il fait un petit coup de claw derrière. Ouais. Remélanger des cartes et regagner quelques PV. Ce serait bien que ce soit 3 cartes à 6 ou plus qui soient révélées. TNC. Oh. Il reprend 3 points de vie. Ouais. Incroyable. Là, il est très content. Il récupère 3 cartes, donc dont un CNC. Hein, ouais. Très très content de cette prise de guerre. En plus, derrière, il propose un petit coup de claw à 3. Donc, ça va. 3 points de vie, 3 cartes, 3 dégâts. Ouais. Bon, après, là, Allen, je pense qu'il va dire no block et. Ces 3 points, il a l'air de partir là-dessus. Pablo est très bien. Hein. Il a une défense réaction en arsenal, normalement. Ouais. Donc, franchement, je pense qu'il est confortable, là. Il est sexy, ce Reinhardt, quand même, je trouve, comme deck. Ouais. Ah, il y a Blood Rush, en plus de la main de Pablo, oh, là. Et puis là, toutes les menaces d'arsenal de Allen sont passées, ou presque. Donc Pablo, il peut facilement ne pas être disrupt sur son tour et vraiment... Eh bah tiens, regarde.
Oh, le Teacup Din... le... Senpaking. Le Senpaking qui part sur la discard. Ouh là là, il doit être très très content. Ouais. Il doit être vraiment très content de cette prise. Donc, il a une défense réaction de l'Arsenal. Donc, il la joue direct. Ok. Il veut conserver sa main le plus possible parce que ouais. Il sait que là, il va encore pouvoir lui casser la bouche. Ouais, là, il va avoir un gros tour. Hein. Bon, il n'aura pas son marqueur tunique, mais il n'y a plus flashback, en fait. Il n'y a plus flashback, donc il ne pourra pas l'empêcher ouais. De faire ce qu'il veut. Ouh. C'est ça. Donc, le swing big à 8. Qu'est-ce qu'il décide ? Là, il a peut-être l'option de défendre ce swing big et mettre ce... j'ai le Blood Rush en Arsenal, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il en ait envie. Non, là, il en a rien à foutre, il veut lui casser la gueule. Je pense que, ouais. Je pense que là, c'est juste... On va se bagarrer. Ouais. Ok, il a une bleue en plus, donc là, c'est parfait. Est-ce qu'il lui prend son CNC ? Ah, il lui a pris son CNC. Et oui, il a Intimidate, on oublie, mais Intimidate, c'est... Ah ouais, hein. C'est fort, hein. Quand il y en a un, ça va. Mais quand t'en prends deux dans le tour ou trois, alors là, c'est... tu fais moins le malin. Hein. Et ouais, surtout quand tes PV commencent à diminuer, quoi. Ah, il y a un autre... Il y a un pack-end à la main qui va pouvoir Intimidate aussi, si jamais. Ouais, il va refaire sa double claw, hein. Ouais. Là c'est, si je suis à l'aine, il faut mettre les blocs sur cette claw, ouais, parce que là, il met pas les blocs sur claw. Peut-être qu'il va se faire punir vraiment sur... Il a Alpha Rampage, je crois, non ? Ah, Pack Hunt. Ouais, c'est un Pack Hunt. Ah, il va encore intimider une carte. Donc là, ça va leak. Ouais. Qu'est-ce alors, il va mettre ça, mais on va voir. Il a 12 PV. Ok, il a décidé de prendre 6 points. Juste les scap skins. Ok. Ah, c'est compliqué. Ils en ont marre de jouer, ils veulent finir la game. Ça joue vite. Ça joue de vite, côté, hein. Ça joue très très vite. Ah ok, d'accord, il y avait Blood Rush aussi chez Allen. Mais okay. Ouais, mais le problème c'est qu'il y en a un qui a... Il n'est pas sous counter tunique et il a flashback. Donc son Blood Rush va être... Oh, en plus, il discarde le ping. Oh là là, mais... Son Blood Rush, il va être éclatax son attaque. C'est facile d'être bon sur Reinhardt quand t'es bon sur les DR. Ouais. Mais il va pas avoir la même valeur, hein, ce Blood Rush que celui de Pablo. C'est un peu le défaut que je trouvais... Il a repêché. Oh là Allen. Là, sa main est catastrophique, Allen. Ouais. Mon Dieu. Il a encore un Blood Rush. Il a un Cast Bones. C'est une catastrophe. C'est vraiment très compliqué pour lui, là. Il va être obligé de... Comment il s'en sort de ça ? Il fait un coup de claw, et derrière, il pitch pour son Blood Rush avec son Cast Bones. Pour essayer de refaire quelque chose. À mon avis, ouais, il est passé à 6 PV sur ce tour pour justement pouvoir faire ça. Et j'aurais peut-être, mais je sais pas si Pablo va utiliser. Ouais, est-ce qu'il va pas utiliser le flashback là sur cette clou pour vraiment casser le tour de. Ah ouais, j'avoue, il a combien de cartes en main ? Il a 3 cartes en main. Je pense que c'est pas. C'est pas con, mais en même temps, 3 cartes en main. Ouais, je sais pas. Tu sais pas qu'il a une main pourrave, hein. Tu te dis. Il a peut-être, quoi qu'il arrive, une réponse. Ouais, mais comme il a pas son counter tunique, ça peut vraiment peut-être l'embêter. Hein. Ok. Ouais, mais t'as peut-être envie de le mettre sur la deuxième attaque. Oh, il avait un swing beat dans l'arsenal, ok. Okay. Ah, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu du tout. Swing big à 10. Et il a décidé de pitcher ce Blood Rush plutôt que. Je pense que son plan là, ses prochains tours, il va faire. Agility, va défendre. Voilà, ok. Effectivement, ça fait du sens. Ouais.
Il veut pouvoir être parce qu'il sait qu'il a plus de cartes en main, Pablo, donc là il a la tempo. Ah ouais, mais du coup, ce Casbon dans l'arsenal n'a peu d'intérêt pour son prochain tour, mais peut-être qu'il banque sur deux tours. Cray voulait tenter la double clo. Donc il a Arsenal et une bleue, ça veut dire. Ouais, Le c'est là Berfang. maintenant. Pablo peut se retrouver en difficulté. Hein. Berfang qui va arriver à 9 go hier. 9, ouais, 9 go again. Encore un 5 Encore un packing 5 packing. Oh là là. De discard. L'Arsenal, Barjin, Bingdon, bleu. Ok. Là, du coup, il utilise Flashbag et je pense qu'il a tout à fait raison de le faire sur ce Ouais. tour-là. Clairement. Ça peut lui éviter de prendre la sauce. Mais Allen a son counter tuning cas si besoin. Son compteur tunique, un Arsenal, il peut Ouais. encore. Il peut encore mettre la pression. Pablo, il a un Barraging Mid-Dawn, un Shono Mercy en main et un je sais pas quoi. Et ouais, il va finir sur ce Casbon qu'il avait Arsenal. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, hop. Et c'est un carton plein, comme on l'appelle dans le milieu. Ok, donc Nous là, avons une Pablo, il clean sait à la table. que. Pablo, il sait qu'il faut qu'il l'atomise à ce tour-ci, sinon il tiendra pas le tour suivant, en fait. Non, j'ai pas l'impression, hein. Ah, c'est compliqué quoi, parce que je trouve que vraiment Pablo il gère bien les ressources quoi, mais au-delà de ça, je trouve que Allen j'ai l'impression qu'il gère un peu moins bien ses ressources, mais bon, il doit savoir ce qu'il fait, hein, mais Je pense qu'il sait ce qu'il fait, hein. ouais, j'ai l'impression aussi de toute façon il a un 8, 8-2. Là, il intimidate. Double intimidate. Et là, si on Alors a une ça. troisième carte qui intimidate, c'est parfait parce que on pourra pas avoir empêché Oh les là effets là. de barraging. Parfait. Et là, on va prendre une sacrée tarte. Donc, il est à. Le Shono Mercy à Oh, let's 6, je crois. go! Eh oui. Let's go! Let's go! Oh. Très Allez. très beau, très très beau ça. Le triple intimidate, hein. Ouais, C'était très très bien. bien joué. C'était très bien joué d'Arsenal, ça, Ouais. de la part de Pablo, pour faire un tour final ultra patate. Shono Mercy à 14. Eh ouais. Ouais. Ah, Incroyable, elle franchement. était vraiment très très bien cette game. Mais ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais est-ce que vous avez vu les games de d'Allen aussi? Mais j'ai l'impression qu'il. Je sais pas. Il a gagné hier Hamilton, mais peut-être qu'il y a un petit manque de rigueur sur la gestion des ressources et qu'il veut vraiment agresser tout le temps, mais c'est mon point de vue, quoi. Ouais, je sais pas, bon, ça reste quand même. C'est un excellent joueur, hein, on va pas. Bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, je pense que sur un RTN du Sud-Ouest, je pense qu'il se fait bouffer, mais. Aïe aïe aïe. Ah non, mais toujours remettre en question les doutes, les choix des même des bons, parce que c'est pas parce que ils sont bons qu'ils ont toujours raison, mais Ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas genre la vérité absolue. Les joueurs pro, yes. ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent Ok, du coup on a la se game de planter. backup, la fameuse. Donc encore brut brut. Eh ben Et dis on se donc. retrouve. Ah bah ce soir on On commande aura. de la brute. Oh, et bah ce bon Peter qui commence Et je les connais ces avec. sleeves, monsieur. Il commence avec un petit Casbones à 5. Dommage. Enfin, dommage. Pour un T0, c'est.
Ah, j'ai pris un vin, j'ai pris tellement un vin, Joff. De quoi? C'est moi qui t'ai mis un vin? Oui, je dis, je reconnais ces slips-là. On les a, nous aussi. C'est l'œil d'Ophidia, ouais. Et on les a eu où, celles-ci? On les a eu au Worlds. Eh oui! Let's On go! était là! Je suis désolé, j'étais tellement à fond sur le Casbots. Ah mais Mika, il est là pour le sérieux, moi je suis là pour foutre l'ambiance quoi. Alors, qu'est-ce que ça joue? Oh, ouais, dis donc, T1 direct, il roll les scap skins, 2 points d'action. Ok, monsieur a pas le temps apparemment, hein, il veut casser les têtes. Oh, putain. Casbones go again. Oh, le Ah plaisir. ouais, ça je connais ça. Et lui, par contre, il rate pas, donc c'est 6, 6 et 1. Très très content. Bon bah du coup les deux joueurs se setup bien T0 là, enfin TO0 et T1 pour Daniel. Oh, il y a un CNC là. Oh, il est gros lui. Il est juste à 6 pour l'instant, mais au Ah tour oui, ah suivant il va oui. être un peu Ah plus oui. gros. C'est le tour d'après où il est énorme. Qu'est-ce que va faire Peter? Alors encore un joueur espagnol, hein, Daniel Correas, la team Sunflower Samurai également, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je crois que tous les Espagnols sont de cette team-là qui sont venus au Pro Tour. Donc un deuxième de l'équipe de Pablo Pintor dans les hautes tables, ça montre aussi que cette équipe est sérieuse et a des très bons résultats. Très très cool d'aller voir là. Et puis ouais, ils représentent l'Europe, donc let's go l'Europe. Hein. Contre un Anglais. Bon, les Anglais ils sont plus en Europe. Donc, oh, et il lâche deux équipements directs. Ok. Et un runner-runner. Très intéressant. Qu'est-ce que va nous proposer Peter là à son tour? On va voir. C'est quoi ce runner-runner full art là? Il est Il est magnifique. magnifique, hein? Magnifique. Ça, je sais pas, je sais pas Ouh. où est-ce qu'il se trouve ce cap promo. Ok, Blood Rush Billow. Et on a 6 mites hein, d'actifs. 6 mailles d'actifs, un Blood Rush Billow. La prochaine patate qui arrive, elle va être. Il a un arsenal aussi, Peter, donc. Ah mais ça va être une grosse patate de forêt là. Je sens que Daniel va devoir leak des dégâts parce que il va vouloir rentabiliser ses might et son agility. Donc clairement là, la Effectivement, foudre arrive. un pain of chocolat team. Un bon gros pain. Ouh. Oh le On se... swing big. Ah ben là c'est pas swing big, c'est swing Gigantesque. swing maxi big. Il arrive à 14. Et s'il bloque, il a un quick cannon. Ouais. À 16, monsieur, il est sous Blood Rush. Hein? 8 et 8. À 16. À Ouais, 16, ouais. Eh ouais. exactement. J'avais Ouais. oublié 16. le Blood Rush. Ouah là 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 là. S'il défend, il a un quicken. Oh, les mandales, quoi. Oh, c'est d'une intelligence, Ouais, les miroirs de cailloux. sauf que derrière, Ouais, il y a des patates aussi des deux côtés. Hein. il va lui lâcher aussi une sacrée gifle. Une sacrée gifle donc à 6 et 7. 13. 13. 13 go 13 go again. again, bien sûr. Hein. Oui, mais. C'est une débilité, les cailloux, franchement, quand ça sort comme ça. C'est le backup match en accéléré. Même en accéléré, c'est. C'est incroyable. Ah, mais comment tu.
C'est des miroirs intelligents, on connaît ça. Hein. Yes. Alors, que décide de faire Peter? Il pourrait full block. Enfin, full block. Est-ce qu'il lâche la main, il perd la tempo, ou il accepte aussi lui de faire liquer des dégâts et essayer de continuer ouais, à poser des dommages à son tour? Peut-être qu'il va bloquer. Je sais pas ce qu'est son arsenal, peut-être qu'il va bloquer avec quelques cartes et proposer une attaque à 6, un Berfeng, un truc, quelque chose. Il lâche le flashbag. Ouais, ok, il va l'empêcher. Il va l'empêcher de. Il faut, ouais. Ouais, je pense que c'est un bon choix, mais il y a quand même la clo derrière à 5. Il a un arsenal. Il pourrait avoir une attaque. Une attaque de l'arsenal. Et ouais. Voilà. C'est un Berfeng. Berfeng à 8. Il doit pas être content d'avoir lâché le chapeau pour justement. Pour toujours prendre une attaque à 8, quoi. Ah, il encaisse. Et il encaisse, ok. Ok. Bon, bah, ils veulent pas faire durer la partie, apparemment, donc... Oui, parce qu'on rappelle que le tour de Daniel, c'était même pas un tour Blood Rush, c'était un 13 sans tour Blood Rush, donc... ça a mis un Tartisson à 13, nature peinture. Bon, il y avait un Casbonne juste avant, hein, certes, mais... Donc... Un petit strike... un petit wild ride à 8. Go again, ouais. 8 go again. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Personne ne veut bloquer. Ah non, mais c'est... Oh, c'est... oh, ils sont pas là pour... pour se réciter des poèmes, vraiment. Ah ouais, mais ils veulent pas bloquer. Mais bloquez, messieurs, s'il vous plaît. Mais il joue ninja ou... Je comprends pas. Ah vraiment, ah, c'est... Ah, les brutes, c'est des animaux, quoi. Vraiment, ils jouent cosplay brutes, hein. Hey, Blood Rush. Ils sont vraiment dans la peau des héros qui jouent, quoi. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que par rapport à la game de tout à l'heure, où ça jouait beaucoup plus tempo, beaucoup plus ouais. Slow, tu vois, ça préservait les points de vie, là, ils en ont rien à foutre. C'est tout droit et direct dans la tête, quoi. Et puis ça va bloquer quand ils seront tous les deux à 10 PV, là. Comme un duel de fight, like... on s'est remarqué dans le chat, c'est un peu ça, ouais. Là vraiment c'est les failles cosplay Caillou qui se mettent sur le museau, quoi. Le tour est là. Oh, le pulping, et puis ça brille des deux côtés, hein. Et puis on a plus flashback pour essayer d'arrêter quelque chose. De toute façon il y aura une clo quoi qu'il a. Ah mais la clo a déjà été mise, pardon. La clo est déjà passée, le pulping est avec Dominate. Si on a encore une attaque à deux dans la main. Il a go again dessus. Ah, il a go again dessus. Bien sûr. S'il a encore une attaque qui coûte 2 dans sa main, là ça va être tunique et patate de ses morts. Non, ok. Ok. Pff. Ça aurait pu vraiment dégénérer. Hein. Ouais. Ça part aussi sur un pulping côté Peter. Ok. Et ça sera je crois que c'est un 7 go again. Je sais pas s'il y a un might sur ce tour actif. Si, il y a un might, ouais. Non, c'est 6. Alors, il y a un 7. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Alors. 7 go again. Dominate. Ouais. Silou qui fait remarquer que sur le tour de Daniel, il avait discard Swing Big sur son dernier pulping, sinon il pouvait Swing Big derrière, ça aurait été un 10 de plus quoi qu'il proposait. Oh, il va le punir avec le flashbag. Ouais. Non, fais pas ça s'il te plaît, sois chic. Non, je suis pas chic. Ouais, parce que là ça stoppe son tour. Hein. Ouais, ça stoppe totalement le tour, donc c'était bien joué.
Ça lui permet de rester devant au, au PV et... Oh bah tiens, on la connaît pas la tech. C'est ça. Donc on sait qu'il a un agility wind-up en main, qu'il va aller discard. Alors, est-ce que Peter va respecter un petit peu? Il respecte un peu. Voilà, agility wind-up. On le savait. Est-ce que vous avez l'info dans le chat où est-ce qu'on a ce runner full art? Il est magnifique. Ah, mais donc, les deux, mais les deux sont en full pimp. Hein. C'est, Peut-être à cet event, hein, je sais pas, mais... Non, non, c'est... Liverpool, ok. Liverpool. Très très belle. Ouais, elle est vraiment magnifique. Hein. Donc il lui reste deux cartes en main. Bon, le flashback est passé des deux côtés, donc là maintenant ça pourra plus trop se... s'empêcher d'eux. Les modos, on a un modérateur qui est un peu désagréable, c'est possible de le gérer? donc il a discard hein, Biswizine. Sur son pulping, donc 7 go again dominate. Ouais, puis là sur les fins de partie, les dominate ils ont plus d'impact qu'en début. Hein. Et ouais, là ça gratte des PV à chaque fois, il va lui prendre 4 PV. Non, le dé était trop gros, je mets un petit dé. Ça gêne. Alors attendez, on va devoir se débarrasser d'un deuxième modérateur apparemment. Il y a une rébellion chez les modos dans le chat. Alors, qu'est-ce que va faire Daniel? Il prend tout. Ok. Ouais. Peut-être qu'il veut essayer de bloquer de façon plus optimale sur la prochaine attaque. Il n'a pas son tour tunique encore. Il a une bleue. Ah, le Biswizine. Biswizine. Pas trop une carte que t'as envie de jouer, Biswizine, généralement. Non, pas trop, mais... Faute de grive, on mange des merdes. Ok, donc là, il accepte de bloquer deux cartes avec deux cartes de sa main pour arrêter de prendre la sauce. Et je pense que là, on va rentrer dans cette phase de la partie où ils sont suffisamment... réduit en point de vie pour commencer à bloquer. Et ça va jouer à deux cartes en main. Ok, donc ça bloque. Et... Ah bah écoute, hein, ça, c'est les swing big des deux des Biswizine des deux côtés, quoi. Alors, comment s'en sort Peter de ça? Donc là, il pourrait juste poser une carte de sa main, descendre à 5 PV, il serait OK, je pense. Et et proposer derrière une bonne attaque qui pourrait lui prendre plus de PV. Parce que là, il peut clairement pas descendre à 2 PV, on le sait très bien. Hein, le Reckless. Risque, le risque du Reckless, ouais. Faut jamais oublier le Reckless. Respecter le Reckless. Je pense qu'à ce niveau-là, il le respecte totalement. Oh, il bloque avec les cartes de sa main, ok. Et c'est donc... fou parce que dans Brut, tu as tendance à y penser, je sais pas pour toi, mais par contre dans Levia, je me fais souvent avoir par ce Reckless, quoi. Parce que j'arrive pas à intégrer que Levia c'est une brute aussi, quoi. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ok, donc il a voulu... Il a voulu setup, donc Wild Ride. Six go again, mais le problème c'est que là il va devoir lâcher à chaque tour deux cartes, voire plus de sa main s'il veut pas crever.
Donc, ces deux tokens vont lui servir, à rien, en fait. Ouais. Et surtout qu'on a un pulping, est-ce qu'on a de la ressource de dispo pour faire cette clo après? Qu'est-ce qu'il va faire de cette... Ok, il a décidé de prendre 5 points. Pour rester à 3. Ouais. Ok, pour profiter de sa main, pour justement pouvoir faire claw into attack. Mm-hmm. Ok, pour essayer de reprendre un peu de tempo. Donc là, il est à 3 points de vie, Peter. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est pas mis à jour sur le live, mais ça doit être ça. Voilà, là il faut qu'il vienne lui proposer de l'étal, sinon il sera toujours poussé dans les cordes et il pourra jamais revenir dans la partie. Donc ok, bloqué à 1, donc il prend 3, donc là il est à 5 et il refait un agility wind up. Alors ça je comprends pas. To preserve life. Wild Rhino opener. Love kicking things off that way. Là, je comprends pas. Swinging squarely back in favor of Daniel Carreras at this point with some big turns right in a row. 7 going to kick this turn off. Break points are critical here. The damage is going to start leaking in for Peter now. This game. En même temps, il allait pas bloquer avec un agility wind up. Attends, mais je comprends pas non plus. Ah ouais, voilà. Oh, OK, d'accord. La mise à jour des PV c'est c'est fait. Je comprenais pas non plus. Ouais. Et là, Peter, Ok. Et Peter, il craque sous cette clo, apparemment. Peut-être qu'il avait plus de bloc de la main. Il avait pas de bloc en main, ouais, je pense. C'est ça. Je pense aussi, ouais. Et ben, c'était une game bien débile. Ouais. C'était une game bien débile. Alors, désolé pour les joueurs, hein. Bien moins intéressante que la première, je trouve, quand même. Mm. Qui était vraiment très cool. Avec un jeu plus en longueur, plus défensif. Là, c'était vraiment à celui qui tape le plus fort. Francesco Giorgio a perdu. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, mais c'est une bonne nouvelle pour la France. Voilà, je sais pas quand est-ce que commence la prochaine ronde. On va peut-être faire une petite pause pour que je puisse laisser la place à Geoff pour la prochaine. Yes. Et voilà, dans 7 minutes. Donc on va faire une petite pause pour que il y ait les casters qui se reposent un coup, surtout Aurélien. Et puis je vous souhaite une bonne suite des rounds, une bonne soirée. Merci à toi, Mika. De toute façon, tu reviens un peu plus tard si je dis pas de bêtises. Non, je reviens que demain pour la finale. Je reviens ce soir, de même. Ok, très bien. Voilà, et ben, passez tous une très bonne soirée et amusez-vous bien. Et nous, on se revoit dans quelques minutes. Ciao.